Arrête de chercher l'homme de ta vie. Cherche plutôt l'homme de ta nuit. Et peut-être qu'un jour, s'il est à la hauteur, eh ben peut-être que toutes vos nuits ensemble, ça fera une vie. Bon, ben, bonsoir, mes amis. Ça va être la première capsule avec uniquement avec Madame Ursbise de Granby. Pour ce que j'ai nommé la capsule numéro 1. Ça va être le courrier du cœur, comme d'habitude. Parce que là, il y aura trois courriels à lire. Fait que je laisse tout de suite la parole à Madame Granby. Madame Ursbise de Granby. À vous, Madame Ursbise. Ben, bonjour tout le monde. Ben oui, c'est ma première capsule seul. Oui. Hier soir, là, j'ai demandé à Maurice qu'est-ce qu'il aimerait manger. Il m'a pas répondu. Alors, j'ai donné des suggestions. Oui. J'ai dit, Maurice, à soir, c'est de la vape et des patates. Il aurait toqué. Ah, non, pas encore des patates. Pas mon client, mon frère. J'ai reçu trois courriels. Oui, trois courriels. On va commencer par un. Une chance, c'est tout à la même place. Ouh, qui fait chaud là-dedans. Ah oui, si elle est maudite cochonne. Bon. Un courriel de... Oh, Madame Vincent de Sherbrooke. Ouais, très populaire, la madame. Bonjour, Madame Tibi de Granby. Ben, bonjour, Madame Vincent. Oui. Ben, ça y est. Mon crotté de mari est parti dans le sud. Oh, le temps, il y a eu. Béchant la roue. Vous avez bien raison de dire. Crotté. Il est parti en cachette en disant qu'il allait chez son frère en Abitibi. Ah, il y a un frère en Abitibi. Béchant la roue. Mais ma nounoune de belle-sœur a vendu la mèche. Elle a coupé ses dits, elle l'a vendu. Ah non, c'est pas ce mèche-là. Excusez. Son mari et le mien sont présentement sur les plages en République dominicaine. Oh, les chanceux. Ils ont renouvelé leur garde-robe avant de partir pour être plus in. Ouais. La pauvre trouve ça bien correct, elle. La conne, tu veux dire? J'ai des neurones qui restent poignés là. Ok. Quand on pense aux danses qui dansent par là, la sexy bachata, pas besoin de ben de l'imagination pour savoir qui va se passer. J'ai essayé ça, la sexy bachata avec mon Maurice. Il l'a apprécié. Je comprends pourquoi vous avez pas beaucoup d'imagination, vous comprenez? Moi, je suis allé voir un avocat aujourd'hui pour demander de divorce. Il calme aussi. Vous niaisez pas qu'à l'époque. Et par la même occasion, je suis allé prendre un rendez-vous avec une esthéticienne. Une esthéticienne. Pour être belle après le divorce. Car je n'ai pas l'intention de rester seule. Bravo, madame! Bravo! Au moins une qui met des culottes. Voilà. Et si mon crotté de mari n'est pas une maladie ou peut-être une crise de cœur en faisant des folies, je n'irai même pas à son enterrement. Ben, j'espère. Ouf, qu'il fait chaud.
bon, c'est rendu bon. Il n'existe plus pour moi, car s'il a fait ça, c'est qu'il ne m'aime plus. Peut-être aussi qu'il ne l'a jamais aimé. Qui sait? C'est vous qui avez joué avec le feu, là. Oui, oui, c'est vous. Pourquoi? C'est simple. On va pas voir un docteur avec un... pas avoir du Viagra. C'est, on croit des problèmes, là. Les premières journées, j'ai pleuré et je mangeais plus. Mais c'est fini, il ne mérite même pas d'être mon mari. Et c'est vu de cet angle-là, là. Parfaitement d'accord avec vous. Qu'en dites-vous? Ne me demandez pas lui donner une chance, je ne l'aime plus. Madame Vincent Lechebeau. Qu'en dites-vous? Ouf. Qu'est-ce que j'en dis? Je suis en train de prendre ma couette. Il n'y a pas grand-chose à dire. L'action que vous faites, c'est très diguidou, ça, là. Mais oui, il fait longtemps que je l'ai réfléchi, là. Ben avant qu'il s'en aille dans le sud. En tout cas, je peux pas rien vous dire de plus, là, t'sais. Il n'y a pas grand-chose à dire, là. Vous avez tout fait ce qu'ils avaient à faire, hein? J'espère que vous allez en prendre un autre meilleur, là. Hein? Faites attention à ça, hein? C'est beau un violon, mais des fois, là, c'est dur à accorder. Bon, on va aller voir un autre. Bon. Un envoi de Iriza Toubib. Eh bien. Bonjour, madame et Toubib de Grimby. Et bonjour. Je vais aller directement au vif du sujet. Il cabot. Elle me l'a sur le cœur. Je suis en deux amours et je les aime toutes les deux. Oh, crétac. Allô, père, madame Toubib. Attends, non, on n'est pas destiné pour ça, allô, père. Sauf que... Sacre mouille. Et des lettres. Sauf que je sens la soupe chaude. Ah oui. Et que l'un soit au courant que j'ai une autre relation. Que je me retrouve dans de beaux draps. Tu sais, quand tu cours deux lapins à la fois, là, tu risques de perdre tous les deux. Hein? C'est ça la moyenne. Qui sait ensuite que je me trouve seul lorsque l'autre décide de rompre? C'est ça que je veux dire. Je ne supporterai pas de me retrouver comme une guenille délavée. Pauvre. Que dois-je faire? Pouvez-vous m'aider? Pas bien mal, madame Iriza Toubib. Je ne suis pas en accord avec votre façon de faire. Ça, là, ça veut dire que toutes les hommes peuvent faire pareil, là. J'espère que non. Si j'en prendrais que mon mot, il se trempe pas ça ailleurs, ça n'ira pas bien dans la cabane. Déjà que je soupçonne, là. Ouf. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Premièrement, il faut faire un choix. Hein. Ça fait partie de la vie. Ben, vous avez le choix. Si les deux sont un complément, c'est difficile, là. Un complément. Un qui est rose, puis l'autre qui est viscéral.
c'est à vous de voir, là. Mais il faut en prendre un. Si tu veux pas te retrouver tout seul, il faut t'en prendre un. Pas les deux. C'est pas plus compliqué que ça, là, madame. Tout bien. Bon. Ouh, qu'il fait chaud. Ça donne rien d'avoir deux, là. Non. C'est doublement dangereux. Bon, je peux pas vous aider, bébé, plus qu'il faut, là. Mais au moins, essayez de choisir le meilleur. C'est vous que vous savez. Bon, on va passer à la troisième. Salut, la grosse conne. Oh, tabarnak. C'est la gueule de qui, ça? Ton frère, Christ. J'ai un frère, oui. Oh oui, Christ! Comment va le beau-frère? Tu l'as pas trop magané, j'espère? C'est vrai que... Le beau-frère, c'est Maurice, hein? Il fait assez pitié de le voir. De l'avoir avec toi, c'est comme s'il acceptait de coucher à côté du fumier. Oh, tabarnak! C'est un coup de jarnac, ça, là. C'est la famille, ça. C'est une famille condescendante. Ils sont jaloux. Ne sois pas sceptique. On dit pas sceptique. Le Christ. Puis flush les pas. Grosse conne, c'est le seul capable de t'accepter, hostie. Tu sauras, là, que Maurice m'accepte. C'est parce qu'il n'y a pas bébé joie, parce que c'est moi qui ai la situation en main. Sa situation. Jaloux. Puis à part de faire le clown sur Internet, je vais faire la clou. Il peut pas parler, lui. Vous l'avez jamais vu. C'est un gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5. Genre à moire de glace, là. Puis à part de faire le clown, la clown sur Internet. Oh, donc, par chez nous, je vais mon Dieu. Oh, crée ta fiche d'outil de l'argent, lui. C'est le genre de gars, faut pas t'en prendre d'argent. Faut pas t'y en prendre d'argent. Oh, non. Ça coûte un bras. Il peut dire n'importe quoi sur moi, mais même condescendant. Il peut dire faire n'importe quoi. Sauf me toucher, naturellement. Il est juste Maurice, bon. Mais avec lui, faut chier, avec Chris, là. Faut chier douce. PS. Si tu passes pas, c'est moi qui vais te voir. Oh, les cœurs, j'ai peur. Hey, Chris. Salut. T'as pas trop de misère avec tes pectoraux, là? Ça pète-tu? Arrête de mettre du silicone, nous aussi. Ben, c'est comment d'avoir un gars comme Chris? Oui. L'été, ça fait de l'or, puis l'hiver, ça te sert de towing.
Bon, ben, c'est ça. Et les trois lettres sont dirigées. Fait que, si vous voulez, là. C'est pas écrit, hein? Oui. Bon, ben, c'est fini. Maurice! Viens te chercher! Maurice! Bon, ben, c'est comme ça, ça. C'est une affaire de durée de 15 minutes, là, environ. C'est pas trop gros. Ça se visionne assez vite. Je pense que je vais les faire de même à cette heure, les vidéos. Sauf pour, naturellement, pour l'interprétation de l'Apocalypse, parce que faut que je fasse le par un chapitre à la fois. Fait que, Bon, possiblement, je vais mettre. Les contes, les légendes de Dédé, là. Je suis en train de regarder ça, planifier ça, compter des histoires, les légendes. J'en ai déjà fait une capsule ou deux. Il me semble deux, hein. Avec Dédé, en tout cas. Question de changer de ligne de temps en temps. Bon, ben, c'est ça, à la prochaine capsule. Ah oui, oubliez pas, là. En tout temps, vous pouvez écrire, je vais marquer encore à la fin de la capsule mon adresse courriel. C'est sûr que vous pouvez pas cliquer dessus, là, mais juste à le voir, vous savez comment écrire, calvaire aussi. Ah ben c'est ça, salut tous la gang!